pour la Russe, 13-0-0. On va retrouver Boulimar au sol également. On sait que les Roumaines aiment bien le sol. Elles sont très à l'aise habituellement sur cet engin et on verra tout à l'heure Iordache. Encore une fois, ici un double salto arrière tendu. Diana Boulimar qui était médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres avec l'équipe de Roumanie. Une équipe dans laquelle figurait déjà Larisa Iordache, mais dans laquelle on retrouvait aussi Catalina Ponor et Sandra Isbasa. Deux filles qui ont été difficiles, qui sont difficiles à remplacer. Et les jeunes roumaines, et on l'a pu le constater là, Glasgow, ont de la peine à faire leur place dans cette équipe. C'est vrai qu'il n'y a plus les mêmes moyens financiers en Roumanie qu'à l'époque du président Ceaușescu, où la gymnastique féminine était le sport de référence. Le sport qui s'exportait le mieux aussi et qui donnait une bonne image là, du régime roumain de l'époque. Diana Boulimar. Elle obtiendra 13,950. Une note qui va lui permettre de rester au contact avec Larisa Iordache, sa compatriote. Iordache qu'on va retrouver dans quelques instants après cette dernière diagonale et ce double quart.